Ça va, je te dérange pas? Là, je suis venu aider une amie parce qu'elle est enfermée chez elle. Je crois qu'elle a fait un malaise. Tu es venu aider une amie? Tu me prends pour un con, quoi. Vas-y, descends. Avoue, sinon j'appelle les flics. Sinon, tu vas rester avec moi. Je te le dis, moi. Je suis à côté de... du mec qui a voulu me cambrioler. Hein? On va dire ça comme ça. Je vais le garder pendant une semaine. Oh! Oh! Bah, bah. Voilà, impeccable, frérot. Tu es magnifique. Allez mon ami, allez mon ami, allez mon ami. Bon les frérots, je crois que c'est le 4 ou 5e jour, je crois que 4e jour, je viens de me réveiller, je vais aller aux toilettes. Pour le réveiller, je vais prendre un ballon de foot et je vais lui lancer le ballon de foot dans la tête sur lui pour qu'il se réveille. Voilà. Et aujourd'hui, vous inquiétez pas. Après, je tiens à préciser que... Enfin, je ferai un petit débrief à la fin de la vidéo. On va le réveiller avec le ballon. C'est parti. Oh, les gars, on va aller le réveiller. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte aussi, non. J'allume la lumière comme tous les jours. Il t'aura pas enfermé. Il se réveille toujours pas. On va lui lancer une deuxième fois le ballon. C'est une deuxième fois. Ah, première réaction. Réveille-toi, gros, allez, oh. Réveille-toi, allez. Pas que ça à faire, hein. Oh, allez. Allez, réveille-toi. Oh putain, je me suis endormi tard là, tu me réveilles. Tu me réveilles avec quoi, avec un ballon? Tu as cru que j'étais quoi, Zidane? Tu as cru que j'étais un footballeur professionnel? Bah en même temps, frérot, t'es habillé en tenue de foot, donc moi je t'envoie un ballon, logique. Donc réveille-toi, s'il te plaît. C'est vrai, je me réveille. T'as cru quoi, que t'étais venu ici pour redormir? Allez, réveille-toi. Ouais, ben. Voilà, cette nuit en plus, j'ai pas fermé la porte, hein, je t'ai fait confiance. Ouais, je sais que t'as pas fermé la porte cette nuit. Mais t'as vu, j'ai pas. J'ai rien fait, tu peux me faire confiance à moi. Ouais, la confiance, ouais. Ouais, je sais que c'est dur de faire confiance à un mec qui t'a cambriolé, mais ça m'a fait comprendre des choses. Bah tant mieux, ça t'a fait comprendre des choses. Bon, je suppose que mes habits sont dans la salle de bain, qu'ils vont venir prendre la douche. Oui, tes habits sont dans la salle de bain. Je vais prendre la douche. En tout cas, frérot, tu fais bien rire. Non, mais pas. En tout cas, tu fais bien rire. Non, mais t'as, je sais pas, mais laisse-moi. Parce que là, frérot. Non, mais d'accord, mais laisse-moi parler. Tu vois, je commence à t'apprécier. Laisse-moi t'expliquer les choses. Je commence à avoir un peu d'estime pour toi, t'apprécier parce que j'ai c'est, c'est... Si je te vois là. Si je t'habille en clown. Bah, je t'apprécie de loin quand même. Tu m'habilles en clown, frère. Ben, c'est juste que tu fais rire ma communauté, donc t'es un clown. Donc tu... Et en plus, tu vas me laver les vitres. D'accord, je vais laver des vitres. La vie des vitres, c'est... j'ai besoin d'être habillé en clown pour la vie des vitres. Bah oui, parce que tu fais rire ma communauté, donc t'es un clown. Voilà. Donc tu vas laver des vitres. En clown. Bon, mais je vais faire quoi, toutes les vitres de la maison? Tu vas faire les deux plus grandes déjà. Habillé en clown comme ça là. Exactement. Tu as cru que c'était drôle? Est-ce que tu as cru que c'est drôle? Est-ce que tu as cru que c'était drôle? Mais ça, tu cries, tu es un fou toi, ça y est. Non, ça va, pardon. Ouais, voilà. Excuse-toi. Allez, je te laisse. Allez, bon, on y va. Sportif. Là, je vais lui donner un nettoyant pour vitres et un chiffon. Mais pour que ça soit un peu plus drôle. On va lui scotcher le chiffon sur le torse. Comme ça, ça va être rigolo quand il va frotter la vitre avec son corps et pas avec ses mains. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, c'est un clown, autant qu'il nous fasse rire. Allez, je vais lui amener tout ça. Voilà, voilà le beau gosse. Voilà, il fait la danse là. Voilà. Bon, du coup, ouais. Aujourd'hui, je vais nettoyer les vitres. Ouais, exact. De ta mof. Exact. Avec mon. Ça risque d'être un peu sexy. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Sexy, je sais pas, vu ta gueule, mais vas-y, ouais, essaye.
Voilà. Non, tu utilises pas tes mains, tu es un fou toi. Bon, c'est pas pratique, tu vois. Eh, c'est pas pratique, ça me bat les couilles que c'est pas pratique. Ouais, mais, au moins, donne-moi une chaise. Prends la chaise. Parce que vraiment, je veux une chaise, parce que... Après, je suis pas mal démerdé quand même avec... Ouais, franchement, ouais. Continue. Te le coller sur le cul parce que au moins ça ira plus vite. Tu sais, je prends du scotch et on va te le coller sur le cul. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la deuxième huître. Tourne-toi un peu, montre-nous. Voilà le chiffon sur le popotin là. Voilà. On peut y aller quand on a fini, s'il te plaît, mon ami. Allez, motivé. Il est où le spray là? Où t'as foutu le spray? C'est toi qui l'as posé. Le spray. T'as mis le spray. Après, je suis libre! Non, tu seras pas libre, tu auras, voilà, tu auras juste. Je suis des amis. Alors, let's go. Allez, c'est la dernière. 1, 2, 3, 4. Même pas chez moi, je l'ai vu. Même pas chez moi. Chez toi, tu laves pas. Mais chez moi, tu les laves trop, mes clowns. Ça y est, je comprends maintenant pourquoi elle dit qu'ils ont du clown. Voilà, bravo. Ouais, ça y est, j'ai compris, t'inquiète, moi. Je suis pas con, hein. Ah, un peu quand même, mais bon. Non, on verra pas ta tête. Promets-moi qu'on ne verra pas ma tête. Non, je te le promets, on verra pas ta tête. C'est là, frère. Sinon, c'est la risée pour moi et c'est plus jeune que moi. Ah ouais, là c'est sûr, frère. Mais après, voilà. Bon, mais là, j'ai fini à son palais parce que j'ai pas pu aller jusqu'à vous, tu vois. Mais bon, ça va, ben. Dans l'ensemble, mec, quand même. Je les ai bien faites, les bits, hein. Franchement, je sais pas qui c'est qui fait bien avec son corps, hein. C'est bon, on peut aller prendre mes habits. Allez, je vais te donner tes habits. Let's go. C'est parti. Je suis pressé, j'ai des choses à faire. T'as quoi à faire? Rien, j'ai des... à dormir. Voilà, poteau. J'ai tes habits. Eh oui. Il y a deux pas surtout, hein. Eh non, je vais pas t'aider. Donne-moi les habits. Je t'aide pour les mettre déjà, le scotch. Je t'aide pour mettre les... Je vais pas t'aider pour les enlever. Je vais me changer. Lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Oh, il est chez lui. Non, je sais très bien que je suis pas chez moi, mais quand même, lève-toi. Je vais me passer. À demain, les amis, pour de nouvelles aventures. Allez, à demain. J'ai créé ma propre chaîne YouTube, ça continue, moi, si tu veux. Eh ben, vas-y, qui t'en empêche. Les gars, je fais le débrief dans les toilettes. Je tiens à préciser quand même, je tiens à le dire. C'est une personne qui n'est pas mauvaise. Une personne... apparemment, on peut quand même lui faire confiance, hein, parce que cette nuit, j'ai dormi avec la porte ouverte, voilà, en dehors des vidéos, on rigole, même lui, il s'est pris au jeu, donc ça le fait plutôt marrer, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il a essayé de me cambrioler, et que la confiance, ça ne se gagne pas un jour, voilà, là, ces derniers jours, je laisse la porte ouverte, et il tente rien, enfin, voilà, c'est, il n'y a pas de souci, quoi, voilà, donc c'est pas quelqu'un de mauvais, mais il faut quand même faire attention, à demain. Thank you.